La mutualité chrétienne de Liège a jugé important d'établir une coopération avec le Burkina Faso parce que ça fait partie de ses valeurs. Ça fait partie de ses valeurs de coopération, de solidarité dans le cadre d'une coopération internationale. Des partenariats se sont développés entre d'une part des mutualités chrétiennes régionales ici en Belgique et d'autre part des mouvements sociaux naissants en Afrique, essentiellement pour les pays francophones. Vraiment, merci bien au RAMS. Merci à la délégation de la mutualité chrétienne de Liège qui nous appuie. Merci bien. Parce que 1 million et quelques en matériel médico-technique, ça va se sentir. Donc, merci bien. Au Burkina Faso, nous soutenons le réseau d'appui aux mutuelles de santé, qui est, comme son nom l'indique, un réseau qui conseille, qui appuie les mutuelles de santé lors de leur création ou de leur développement. Il y a un projet d'assurance maladie universelle au Burkina Faso pour le moment. Et le RAMS, donc notre partenaire, fait partie des acteurs qui conseillent le gouvernement burkinabé pour la mise en place de cette assurance maladie universelle. Nous avons pour rôle d'abord de sensibiliser. Parce que les populations n'étant pas habituées donc à s'assurer en matière de maladie, ça fait qu'il y a une certaine difficulté à développer ces mécanismes-là. Un autre aspect de l'appui du RAMS, c'est de plaider auprès des autorités nationales, des partenaires techniques et financiers, de tous ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir, de telle sorte que la mutualité puisse être perçue comme un vrai mécanisme de protection sociale. Les nantis qui sont plus hauts arrivent à subvenir à leurs besoins, mais les petits qui sont en bas n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, surtout sur le plan sanitaire. Donc je me suis engagé avec la population. On n'était pas nombreux au départ. Donc, à force de sensibiliser, j'ai quand même réussi à regrouper quand même pas mal de personnes. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au moins à 600. C'est déjà pas mal, en 10 ans. J'espère que d'ici là, on pourra quand même gagner quand même quelque chose en plus. C'est pour ça qu'on s'investit, nous aussi, dans Solidarité Mondiale et dans les mutualités chrétiennes, et en particulier la mutualité chrétienne de Liège, pour faire avancer la cause de la mutualité. La cause de la mutualité, vous venez d'en parler de manière remarquable. Et sachez que 10%, bien sûr, c'est un début. Mais après 10 ans, c'est déjà pas si mal. Et donc, c'est vrai qu'on espère que l'année prochaine, il y en aura 15, ou il y en aura 20, ou il y en aura 80%. Oui. Mais 10% en 10 ans, c'est une très belle progression. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre investissement. Merci. D'abord, dire pourquoi pour nous, c'était vraiment important d'être là, physiquement aussi, de temps en temps. Premièrement, pour montrer notre appui, mais aussi pour venir faire avec nos partenaires un certain nombre de bilans, de se poser des questions, de voir quel plaidoyer on peut les aider à faire. Et donc, nous sommes vraiment convaincus que les mutualités de santé sont le meilleur outil pour arriver à une couverture universelle et arriver à une véritable augmentation de la qualité des soins de santé dans les pays avec lesquels nous collaborons. Je vais faire la présentation tout à l'heure. Ils sont là depuis une semaine, on a fait beaucoup. Les mutuelles de santé au Burkina Faso ont connu un vrai développement. Depuis une dizaine d'années, le nombre a beaucoup évolué. On est à presque 200 initiatives en 2011. Avant, on avait des mutuelles de santé de, je sais pas, 40, 50, 100. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des mutuelles de santé qui ont 1000 membres. Et ça, c'est vraiment une grande évolution. Alors, il dit qu'au début, lui, chef de famille, il n'était pas membre de la mutuelle. Mais il a ses deux épouses qui sont membres de la mutuelle. Et un jour, elles sont tombées malades. Elles ont été à l'hôpital. Et après, quand elles lui ont rendu compte de combien est-ce que l'ordonnance s'élevait et combien elles ont payé.
ni t'étais le fait qu'elles étaient membres de la mutuelle de santé, c'était, ça allait être difficile pour lui d'honorer ses ordonnances. Et donc c'est à partir de cet instant que lui, il a adhéré à la mutuelle de santé. Il a inscrit ses enfants dans la mutuelle de santé. Il faut dire que ces mutuelles de santé, la mise en place même suit un certain processus. Il faut sentir qu'il y a une certaine forme de solidarité dans la communauté. Une fois qu'on confirme cela, on met un comité d'initiative, on le forme et il fait des sensibilisations pour recruter les premiers membres. Ensuite, on passe à la mise en place du bureau. On forme les agents de santé et on lance la mutuelle de santé. Au village, dans les communes rurales, les prestations offertes sont les prestations du premier niveau, c'est-à-dire consultation au niveau avec l'infirmier, médicaments essentiels génériques, les examens, parfois même pas d'examen, les accouchements. C'est en fonction de la capacité contributive de la population, puisque c'est elle qui détermine combien elle va cotiser et pour quel type de prestation. Alors, tous les 25 du mois, le comité de gestion se réunit pour collecter les cotisations qui viennent de la base, de chaque village, de chaque quartier. Et c'est à cette occasion qu'ils établissent la liste des personnes à jour des cotisations qu'ils déposent au niveau des centres de santé avec lesquels la mutuelle de santé a conventionné. Notre objectif principal, c'est effectivement de permettre l'accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût aux bénéficiaires, aux membres de la mutuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avions effectivement des soins dans les formations sanitaires et les coûts de ces soins-là sont parfois très élevés comparativement aux revenus des populations. Et lorsque nous sommes alors confrontés à la maladie, on est obligé en ce moment d'aller dans des emprunts. Le bénéfice des prestations est couvert à 70%. Cela veut dire que tout bénéficiaire qui est à jour de ses cotisations est pris en charge jusqu'à hauteur de 70%, quelle que soit sa prestation, en partant des médicaments essentiels génériques, des consultations généralistes et des consultations des spécialistes, également au niveau des examens de laboratoire et des actes chirurgicaux, vous êtes pris en charge à 70%. Donc la consultation ophtalmo, oui, ça fait 4000 francs. OK. Maintenant, comme vous êtes à jour, oui, vous supportez les 30%. Oui. La fille Baoré supporte les 70%. Donc à 4000 francs, oui, vous payez 1200 francs. Ça, c'est très bien. Lorsque nous échangeons avec les mutualistes, on sent qu'on a pu semer cette fibre de la mutualité, c'est-à-dire la graine même du militantisme. Il y a un certain engagement auprès de ces responsables mutualistes. Et c'est en ça que nous pensons que, avec l'appui que nous donnons, les mutuelles de santé vont être fortes demain et pouvoir vraiment couvrir toute la population et permettre à cette population d'accéder facilement et à moindre coût aux soins de santé de qualité. En revenant du Burkina, on est plus convaincu que jamais du bien fondé de l'existence de l'idée mutualiste au Burkina, mais aussi du bien fondé de l'existence de l'idée mutualiste en Belgique. Il y a une force du plaidoyer qui, chez nous, n'est plus là, qui est un peu émoussée parce que c'est entré dans nos mœurs, parce qu'être affilié à une mutu, il n'y a rien de plus banal, finalement. Mais ce n'est pas si banal quand on veut bien y réfléchir et si on veut bien regarder, et certainement en 2012, comment les choses se structurent, ce n'est pas banal, l'affiliation à une mutualité. Et l'idée même de mutualité, c'est très loin d'être une idée banale. Elle est vraiment particulièrement riche et particulièrement intéressante dans les recherches de cohésion sociale, dans la structuration des besoins par les bénéficiaires eux-mêmes, donc, et pas par une imposition étatique. Donc c'est vraiment, on revient de là en disant, oui, on doit reparcourir notre plaidoyer. Quand elle aura eu 24 heures d'antibiotiques, à très très forte dose, on pourra alors mettre un médicament qui va diminuer le gonflement. C'est de la cortisone. Mais ça, il faudra après voir avec un pédiatre éventuellement pour ajuster le dosage de la cortisone. Le partenariat avec l'ASBL Médecin du Désert est évidemment un partenariat très important pour nous. On trouvait que les actions qu'elle menait étaient vraiment remarquables en Afrique. Alors on s'est dit, pourquoi pas essayer de mener une mission au Burkina Faso.
Et donc, nous sommes partis l'année passée avec des membres de l'ASBL pour voir la faisabilité de cette mission, car évidemment, une mission, ça se prépare. Et nous avons rencontré vraiment tous les ingrédients nécessaires. Une volonté sur place de la part d'un hôpital d'accueillir une telle mission. Un élément de formation des prestataires de soins sur place qui est très important également. Et un intérêt de l'État burkinabé et du ministère de la Santé par rapport à ce type de mission. L'intérêt des missions humanitaires est très très important. D'abord pour le malade lui-même, parce qu'il reçoit des compétences que Chifra n'a pas forcément. Donc c'est un plus pour le malade. Mais l'aspect de Chifra, c'est aussi un partenariat avec des amis, parce que ces médecins qui viennent, ces partenaires, deviennent finalement les amis du centre médical. L'ASBL Médecins du Désert a vraiment deux grandes valeurs. Deux grandes valeurs qu'elle souhaite rencontrer lors de chaque mission. C'est le service aux indigents, opérer des indigents, des gens qui ont besoin de nous, des gens qui ne seraient pas opérés si notre ASBL ne se déplaçait pas. Et la deuxième grande valeur, c'est la transmission du savoir. Transmettre une information, un savoir, ça jusqu'à présent était très très difficile à atteindre comme objectif. Et lors de cette mission, dès le premier jour, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un des points très positifs que l'on rencontrait ici. C'était d'être capable non seulement d'avoir l'écoute, mais l'interaction entre les différents intervenants au niveau chirurgical, mais aussi au niveau de l'équipe soignante. Et donc, il y a vraiment eu l'aspect transmission du savoir qui a été réussi dans cette mission-ci. Donc, il y a eu le premier jour où chacun était un peu sur ses gardes. Je ne sais pas qu'est-ce que les Belges vont dire, ces Africains, qu'est-ce qu'ils font. Et les Belges aussi, de leur côté, se disaient, mais qu'est-ce que ces Africains ils vont faire? Et aujourd'hui, c'est la confiance, c'est l'amitié pour le bonheur de nos malades. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, bonjour. Venez, ça va un petit peu relâcher. Voilà, tenez. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça va bien. Ça va? Ça va. A été? Ça a été. On va regarder ce que ça donne. Hein? Ouais. Voilà. Ah, et alors? Vous êtes content? Ouais. C'est bien? Merci. Vous voyez? Oh, oui, voyez bien, le docteur? Oui, ouais, vous voyez? Vous voyez? Vous pouvez aller? Oui. Soigner plus de 200 personnes, opérer dans la qualité 200 malvoyants et rendre la vue à ces personnes âgées, c'est élargir leur horizon, c'est les ramener vers leur famille, c'est extraordinaire. Un partenariat sur le plan financier est intéressant à plus d'un titre. D'une part, c'est une possibilité offerte à développer une mission en pleine qualité avec tout le matériel nécessaire. Et je dirais que l'autre aspect, c'est que le fait d'avoir un partenariat avec une mutualité dont l'objectif correspond pratiquement au nôtre, ben il est clair que c'était deux projets qui étaient destinés à se rencontrer pour se renforcer l'un l'autre.